Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de coloriage terminé. Donc dans celle-ci, je vais vous présenter tous les coloriages que j'ai réalisés au mois d'août. Il y en a 11 et 2 marque-pages seulement. J'en ai pas fait énormément, je sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. J'ai eu quelques petits problèmes personnels. Et du coup, j'ai un petit peu moins colorié que d'habitude, mais bon, j'en ai quand même quelques-uns à vous montrer. Et vous allez voir que j'ai quand même voulu retourner à des livres que je n'avais pas ouverts depuis très longtemps, donc les premiers livres que j'ai eu en fait quand j'ai commencé l'art thérapie. Donc vous allez voir ça tout de suite, j'arrête de parler, je vous laisse avec la suite. Alors du coup on va commencer par le Disney Vitro, je n'en ai fait qu'un seul dedans, ça fait un petit moment que j'y suis pas retournée dans celui-ci. Donc voici, j'ai réalisé Aurore. Ça a été assez casse-tête à faire parce que le rose n'est pas ma couleur favorite du tout. Mais bon, j'aime assez le rendu, il est très simple, j'ai pas voulu me prendre la tête. Et pour les petites fées, j'ai utilisé du stylo gel à paillettes, je sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra. Mais j'avais envie qu'elle brille un peu pour cet effet un peu magique, donc voilà, très simple, mais je l'aime assez. Ensuite, j'ai colorié un petit colo dans les carrés art thérapie, les méchants. Donc j'ai colorié Scar et je l'aime énormément. J'ai voulu essayer de vraiment m'appliquer sur les ombres et les lumières du personnage. C'est pas encore tout à fait ça, mais je trouve que c'est quand même pas si mal. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le rendu de celui-ci. Donc j'en suis assez, assez contente. Il était, il était pas si court à faire. J'ai quand même mis du temps à le faire, mais j'en suis assez satisfaite. Et oui, je l'ai réalisé au Prismacolor pour le personnage. Et je sais même plus pour le fond. Au Prismacolor aussi, je crois. Il me semble. Ensuite, comme je vous disais, j'ai voulu retourner dans des anciens bouquins. Donc j'avais celui-ci que j'avais quasiment au tout début. Je n'en ai pas fait beaucoup dedans, je crois que c'est le troisième seulement que je fais. Donc voilà, j'en ai réalisé un tout simple sur Monstres et compagnie, j'avais pas envie de me prendre la tête. Voilà, c'est pas les livres que je préfère, mais de temps en temps d'y retourner, ça me fait plaisir. Donc voilà pour celui-ci, je l'ai réalisé avec divers feutres, les Mappen, les Faber-Castell et les Pen 68 il me semble. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite je vais vous montrer les deux petits marque-pages que j'ai fait. Donc Dumbo et puis la fée clochette. Pour la fée clochette, je sais pas si vous voyez, j'ai essayé de faire un effet avec le fond. J'aime assez, mais je le ferai sur un format plus gros pour que ça se voit un peu plus. Parce que là, je trouve que pour le coup, ça se voit pas énormément. Et pour Dumbo, j'avais envie de quelque chose d'un peu pétillant comme ça. Donc voilà ce que j'ai réalisé. Ensuite, j'ai acheté ce livre il y a 2 semaines, je crois, chez Action. Je me suis dit que pour m'entraîner sur les fonds, il pourrait être pas mal parce que les dessins sont assez simples. Et pour le coup, en fait, c'est un, je vais pas dire un gros coup de cœur, mais c'est quand même une petite pépite, je trouve. Parce que les dessins, comme vous pouvez le voir, sont vraiment très très simples. Et les fonds sont en général assez neutres parce que sur les autres Disney, en général, il y a toujours des trucs sur le fond, des petits, ouais, plein de petits dessins. Et parfois c'est chiant pour faire les fonds, je trouve. Et celui-ci, du coup, je le trouve top parce que les fonds sont vraiment neutres et on peut vraiment s'amuser à imaginer plein plein de fonds, plein de façons de les faire. Et donc j'ai fait celui-ci. Hop, je vais arriver. Donc La Belle et le Clochard. Donc pareil, j'ai essayé de travailler un peu le côté qui ressort des personnages. Et je me suis essayée à un fond bleu nuit, entre guillemets. Et je l'ai réalisé en tuto, donc vous allez l'avoir d'ici quelques semaines je pense. Il est déjà tourné, il me reste plus qu'à le monter. Je l'ai réalisé au Prismacolor et je trouve le rendu assez sympa. Donc voilà, pour ce livre c'est vraiment... j'aime vraiment beaucoup en fait ce livre. Et il coûte... je crois qu'il coûtait même pas 1€ ou 1,99€, quelque chose comme ça. Ensuite j'ai réalisé La Petite Sirène qui vous a beaucoup plu sur les réseaux sociaux, donc dans l'agenda Disney 2018. Il est vraiment très simple, j'ai mis très peu de temps à le faire.
mais j'aime beaucoup le rendu. Donc pareil, si vous voulez un tuto sur le fond, dites-moi, je me ferai un plaisir de vous le faire parce qu'il est vraiment très très simple à réaliser. Et je l'ai réalisé au Prismacolor premier. Donc bah, comme le personnage, et j'ai utilisé l'Uniball Signo blanc pour les bulles. Donc voilà, un tout simple vraiment, mais je me suis régalée à le faire et j'aime beaucoup le rendu de celui-ci. Ensuite, encore une fois, un ancien livre que j'ai depuis très longtemps. Je crois que ça fait plus de 2 ans et demi que je l'ai, ce livre. Ou 2 ans peut-être. Quelque chose comme ça. Et j'ai réalisé l'affiche de Bambi. Donc je me suis un petit peu forcée pour aller dedans parce que les coloriages de type scène, avec vraiment quelque chose de réaliste, qu'il faut faire quelque chose de réaliste en fait, j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc je me suis un petit peu mis le coup de pied aux fesses pour essayer de le faire. Donc voilà, j'en suis assez satisfaite. J'ai mis pas mal de temps à le faire, j'ai cru que j'en verrais jamais le bout pour le coup. J'aime beaucoup mon hibou et Bambi, c'est un des deux, enfin c'est les deux choses que je préfère dans ce coloriage. Donc voilà, assez simple, hein. Je me suis inspirée, bah, vous savez, des modèles qu'on a à la fin. Voilà, mais bon, c'est pas si évident que ça à faire quand même. Donc voilà, j'en suis contente, mais je vais pas retourner si tôt dans celui-là encore une fois, je pense. Alors ensuite, j'avais commandé sur Amazon ce livre-ci d'Annaline. Je voyais beaucoup de coloriage sur les groupes, sur Facebook et Instagram, et ça me tentait vraiment énormément. Et moi qui ai du mal avec les cheveux et les visages, je me suis dit que ça pourrait être un bon moyen de s'entraîner facilement en fait. Donc j'en ai fait deux dedans et je les adore. Alors j'ai fait celle-ci. Voilà, à la chevelure un peu rousse. Alors je me suis inspirée d'un livre pour cette chevelure en fait. J'étais en train de lire un livre où il était question d'une fille rousse avec des cheveux rouges au possible en fait. Et ça m'a inspirée pour celle-ci. J'aime beaucoup la couleur des cheveux. Quand j'ai commencé, je me suis dit que ça allait pas le faire du tout. Et en fait, j'aime beaucoup le rendu de celui-là. Et j'ai fait celle-ci, donc aux cheveux violets. J'ai pas fait vraiment des couleurs les plus normales possibles, mais bon, c'était les deux que j'avais commencé. Donc voilà, pareil, vraiment très simple. Et j'aime beaucoup le rendu. Et ça permet vraiment de s'entraîner pour les peaux. Moi, ça m'aide énormément. Ensuite, j'en ai fait un dans ce petit livre que j'ai trouvé à l'espace culturel totalement par hasard. J'en avais jamais entendu parler où que ce soit. Alors je pense que des gens ont dû en parler, mais j'en ai vraiment pas entendu parler moi. Et pour le coup, il était à 5,50, je l'ai pas trouvé très cher. Et je trouvais que pour les dessins qu'il y avait dedans, sur fond noir comme ça, il y avait moyen de faire de belles choses. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas, il est pas très très cher. Donc je me le suis pris et j'en ai fait un dedans, celui-ci. Donc pareil, il me semble qu'il vous a pas mal plu sur les réseaux. Je voulais vraiment quelque chose qui pète pour que ça contraste en fait avec le fond noir. Donc je suis assez fière de ce que j'ai fait, j'aime beaucoup le rendu. Après, le seul truc que je pourrais reprocher à ce bouquin, c'est que je sais pas si vous verrez ici, mais en fait les contours sont pas terminés en fait, les finitions sont pas au top. Et bon, c'est un petit peu dommage, mais bon, sur le coloriage de loin comme ça, on voit pas beaucoup C'est pas très grave, mais quand on colorie, parfois c'est un petit peu chiant de savoir où ça s'arrête, où ça commence, etc. C'est un peu relou. Enfin voilà pour celui-ci. Ensuite, j'en ai fait un dans le Disney Buddies, dans le bloc. Donc j'ai réalisé celui-ci que j'aime énormément et je l'ai choisi parce que j'avais envie de faire un fond galaxie. Et j'avais pas vraiment d'autres coloriages où c'était pas des fonds vraiment sur tout l'arrière. Je trouvais que comme ça en bulle, c'était vraiment sympa. Donc je me suis décidée à le faire dessus. Je vous ai fait un tuto pareil sur l'effet Galaxy. Vous allez l'avoir pareil d'ici quelques semaines. Il est tourné et monté, celui-ci d'ailleurs. Donc il attend juste de sortir. Donc j'espère qu'il vous plaira. Mais je me suis régalée à le faire en tout cas. Et pour l'effet Galaxy, il était. Enfin, j'avais déjà fait un effet Galaxy dans le passé en fait. Et je trouvais le résultat vraiment pas top, mais pour le coup celui-ci j'aime énormément et bah, c'est là qu'on voit les progrès qu'on peut faire en fait en quelques mois. Donc j'étais assez ravie du rendu. Et enfin pour terminer un petit coloriage mystère. Donc effectivement je n'en ai fait qu'un ce mois-ci, donc c'est vraiment pas énorme, d'habitude j'en fais plus que ça.
Donc j'ai fait voilà celui-ci, Robin des Bois. Donc je vous mettrai la vidéo dans le petit i. Ici ou ici, je ne sais plus de quel côté c'est, je crois que c'est par là. Du speed coloring, donc je l'ai réalisé en vidéo. J'aime assez le rendu, mais je trouve qu'on voit encore une fois beaucoup trop les contours. Alors parfois ça passe, parfois vraiment je trouve que ça gâche vraiment le dessin et c'est dommage parce qu'on passe du temps à le faire et au final le rendu ne nous plaît pas vraiment. Mais bon, c'est un petit peu le problème avec ce genre de livre. Je pense que les prochains, ils auraient dû les faire avec des lignes un peu moins foncées. Je pense que ce serait un peu plus sympa. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Donc voilà pour ce dernier. Bon bah écoutez, voilà, je vous ai présenté tous les coloriages que j'avais réalisés durant le mois d'août. Je pense qu'il y en aura encore moins en septembre parce que la motivation n'est plus autant là qu'au début pour le moment. Ça reviendra, il n'y aura pas de problème, mais pour le moment je pense qu'il va y en avoir un petit peu moins, c'est sûr. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter, ça me fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Et si vous voulez me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, tous les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.